Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Topaz Sharpen AI. Alors c'est le logiciel de Topaz qui va retravailler un peu la netteté d'une image, qui va retravailler la mise au point ou tenter de corriger le flou de bouger. Alors là en l'occurrence on a une photo par exemple où vous voyez notre personnage est flou de bouger, donc c'est une photo qui est faite au 0,02 seconde. On a tout le paysage qui est net et on a un léger flou de bouger, mais le flou de bouger quand même suffisamment marquant pour rendre l'image, je dirais, inexploitable si le sujet principal est la personne qui fait du vélo. Alors si on fait un clic droit, on va dans modifier dans, donc là à l'heure actuelle je suis dans le logiciel Lightroom classique. Je vais aller prendre Topaz Sharpen AI. Il va m'en faire, comme c'est du RAW, il ne travaille pas depuis le RAW, il va m'en faire un TIFF et on va retravailler depuis le TIFF. Tout simplement. Donc voilà, Topaz se lance. Donc là, on va s'arrêter là. On va faire une petite explication de l'interface tranquillement de Topaz. Donc ici, on a la possibilité d'avoir l'original. Ici, on a une vue simple avec la version traitée. Et si on clique, on a l'original. Là on a la version traitée et je clique, j'ai l'original. Donc là elle n'est pas encore traitée, ça prend du temps. Ici on a la split view qui est avec le curseur. À gauche on a la version originale et à droite la version traitée. Donc là c'est toujours pas effectif, ce que vous voyez, on est toujours en train de l'image est toujours en train de se traiter. Au passage ça prend énormément de temps en fonction quand vous avez des grandes images. Là on a la version side by side, c'est-à-dire qu'on a la version originale à droite et la version traitée, la version originale à gauche, pardon, et la version traitée à droite, et ensuite on a les différentes vues avec l'original, une vue out of focus, c'est-à-dire qui n'est pas hors de la mise au point, on a out of focus normal, on a très flou et tout sauf normal. Donc là après je pense qu'on doit pouvoir choisir, mais c'est pas le propos. On va revenir en split view. Donc là vous voyez on a différents modèles, donc soit on choisit de cliquer sur notre curseur et là on a quelque chose qui se fait automatiquement. Ensuite on peut changer, là on repasse en mode manuel, donc là on a le flou de bouger, motion blur, un flou de bouger que l'on va considérer comme normal, un flou de bouger qui est avec beaucoup de bruit, un flou de bouger qui est très flou. Donc là, en l'occurrence, on va prendre un motion blur en normal plutôt. Ensuite, on a le out of focus, donc c'est-à-dire la mise au point qui est faite, la photo qui n'est pas nette, avec une mauvaise mise au point normale, beaucoup de bruit et très flou. Ensuite, too soft normal et too soft very noisy, very blurry. Je dirais c'est quand vous avez des images qui sont un peu trop douces. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, quand vous avez une image qui manque de grain, on va dire. Quand votre photo manque de grain, eh bien vous allez pouvoir l'affiner avec ces trois versions tout soft, je suppose. Ensuite là, on a la possibilité soit de le laisser en automatique ou de le mettre en manuel comme c'est là à l'heure actuelle des paramètres, des modèles de paramètres. Alors on peut choisir dans le curseur de plus ou moins retirer le flou en fonction des capacités de l'intelligence artificielle du logiciel et la suppression du bruit également avec ce curseur. Ensuite là on a en select on a la possibilité de lancer de faire un masque. Donc là ça y est, j'ai mon traitement qui est fait en motion blur normal, donc on va voir déjà, donc vous voyez en mode normal on n'a pas eu grand chose de très probant, puisque le vélo et le personnage restent flous, je dirais. Pour le moment, c'est pas plus exploitable que ça ne l'était jusque-là. Donc, on va aller augmenter un peu. Donc, je vais continuer ma présentation. Donc, dans le Select, vous avez ici l'auto-subject, vous avez l'intelligence artificielle qui va vous rechercher simplement un sujet pour l'isoler de l'ensemble. Donc, je vais plutôt chercher portrait pour voir s'il me trouve mon cycliste ou pas. Ah là je crois qu'il a pris quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bon c'est pas grave. On peut choisir, on peut faire custom.
Alors custom, c'est-à-dire, est-ce qu'on a la possibilité de changer quelque chose en custom? Voilà, bon, on a la brosse, ok. Donc je peux choisir de prendre mon personnage comme ça, tout simplement, avec le vélo. Et vous voyez qu'on peut éventuellement, bon, ça ramouille un peu parce que il est en train de faire le procédé en même temps. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc vous voyez, on a la possibilité de faire un masque. Donc on va laisser tomber notre système de masque. Enfin bon, vous voyez un peu le truc. On abandonne avec Undo Change. Voilà, donc on va prendre une version. Donc vous avez vu la sélection, on va la retirer. On a le post-processing avec plus ou moins de grains. Après, je vous laisse vous pencher sur le système de sélection de masques pour le moment. Parce qu'il est vrai que parfois, il arrive que par exemple, bon là, notre paysage est net, n'a pas besoin d'être accentué outre mesure. Le logiciel en lui-même ne va peut-être pas trouver, va pas faire forcément des choses très effectives là où il faut. Donc on va reprendre le. On va faire un choix de flou de bouger très flou. Et puis bon, on se retrouve dès que le calcul sera terminé. Alors ça y est, le calcul est terminé. Donc là, on a déjà sur quelque chose de beaucoup plus effectif. Donc on voit que notre personnage est beaucoup plus net, la netteté est meilleure. C'est pas encore ça non plus. Mais donc on peut déjà avoir. Vous voyez, on a des baskets. Bon, je l'ai bougé. Vous voyez, on a des baskets. Mais bon, c'est pas la panacée non plus, mais c'est toujours mieux que rien. Si jamais vous avez un besoin impératif au niveau de cette image. Donc je vais annuler sur cette photo. Ok, on va passer à une autre photo, un autre type d'image. Là, on a une personne qui est nette. Donc là, c'est un suivi de mouvement, toujours 2 centièmes de seconde. Par contre, on a le paysage qui est flou de bouger autour. Donc là, c'est pareil, on va faire un clic droit, modifier dans. On va aller voir dans Topaz Sharpen. Il va nous faire un TIFF. C'est parti. Ok. Donc maintenant, on a Topaz qui va travailler. Alors là, je suis sur un motion blur en effet. On va se mettre tout de suite en Very Blurry, en quelque chose de très flou, flou de mouvement. On ne va pas lancer 25 000 calculs pour rien. On va tout de suite aller au max pour voir ce que ça donne. Et si nécessaire, on reviendra en arrière. Mais bon, ça y est, c'est fait. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quand même déjà sur la partie ici. On est quand même pas mal. Hein, vous voyez, sur l'original, on récupère quand même pas mal de choses. Notre personnage à vélo n'a pas bougé. Et là, vous voyez qu'on récupère bien quand même tout le paysage. Alors ça reste un peu sujet à caution au niveau de la végétation du sapin, évidemment. Alors, ça a toujours un peu de mal avec les lettres. Parce que c'est une intelligence artificielle qui ne doit pas savoir lire, on va dire, et qui ne remet pas, qui ne doit pas reconnaître des lettres. Mais vous voyez, dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de très sympa. Et si on n'est pas fan du flou de mouvement, de photodynamique, ben là, ça peut vous récupérer quelque chose de gérable. Donc vous voyez, dans un côté comme de l'autre, on a des bonnes choses et on a des choses un peu moins bonnes. Donc c'est un peu fonction de l'image, du degré de flou, de degré de qualité de flou, si on peut dire. Donc c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. Donc on va revenir, on va prendre une autre photo. Donc là maintenant sur des problèmes de mise au point. Là, on a une photo où c'est une jeune fille qui se fait maquiller. Et là, vous voyez, donc elle me fait un très joli sourire. Malheureusement, ses yeux sont flous. Ma netteté n'est pas faite sur elle. Hélas, dans le feu de l'action, je suis net à peu près sur son coude. Et malgré que je suis quand même bon 48 mm F9, hein, quand même. Mais malgré tout, ben, je suis pas dans la zone de netteté. Autofocus, comme dirait Sharpen. Donc on va aller voir dans Sharpen ce qu'il peut me faire, donc modifier. Il va me refaire un TIFF et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais pouvoir sauver ma photo et la fournir
ou est-ce que je vais devoir la mettre à la poubelle? Donc là, on va se mettre en autofocus Verible, tout simplement, puis on verra ce que ça donne. Je vais pas chercher à tergiverser, à prendre un autofocus normal ou very noisy, on va aller tout de suite au max et on verra ce que ça donne. Donc on va lui laisser le temps de calculer. Ça y est, c'est fait, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas du piqué qui arrache non plus, mais c'est déjà, je dirais ça, on a une photo, on est à 100%, donc on a une photo quand même qui est exploitable sans aucun problème. Et on n'a rien de. Les cils sont nets. Le premier œil est bien. On voit que le sourire, les joues, le nez, les dents, tout est net. Le pinceau, les cheveux. On arrive à rendre une image beaucoup plus nette, un peu meilleure. Enfin, meilleure, tout court, et exploitable, sans aucun problème, en ce qui me concerne. Donc je voulais voir avec vous une dernière chose au sujet de Topaz Sharpen. C'est au niveau du système Too Soft. Donc là, on a une chouette ou un hibou, je ne suis pas expert en volatiles nocturnes, malheureusement. Excusez-moi pour les approximations, si jamais j'en fais. Donc là, on voit qu'on a une photo qui peut être nette, mais qui manque de piqué, franchement. Donc on peut aller dans modifier dans Topaz Sharpen. On va modifier l'original parce qu'on est déjà sur du TIFF. Le temps que Topaz se lance. Voilà. Alors ici, on va prendre Too Soft Verriblerie. Pareil. On va prendre un choix. Et là, vous voyez que le calcul se fait beaucoup plus rapidement. Donc ça fait partie des choses, mais en même temps, ça va pas faire de miracle si vous avez quelque chose de très flou. Le calcul se relance, que j'aurais bien aimé, voilà, voir ma tête de chouette. Bon, l'avantage c'est que c'est rapide. Voilà. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus net. On a récupéré de la netteté sans être trop violent. Parce qu'on voit que la matière des plumes peut être cause d'artefacts et de problématiques avec Sharpen. Comme je vous l'avais dit avec les tuiles, là on peut avoir des problèmes avec la structure même des plumes, qui peut nous créer des problématiques de moirage ou de je ne sais quoi, comme ça peut arriver. Donc là on voit que le réglage Too Soft peut être intéressant pour récupérer du détail, tout simplement. Si on se met à 200%, on va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Donc c'est pas la panacée, c'est pas l'idéal, c'est pas parfait. Ça fait partie des images où parfois Sharpen sera pas forcément, fera pas de miracle, on va dire, voilà, tout simplement. Il n'y aura pas de solution miracle, on va pas se sortir de l'impasse, mais on va augmenter un peu la netteté de l'image. Si c'est pour de l'écran à 50%, on a quelque chose qui sera exploitable sans aucun problème. Là, c'est un peu plus long et un peu plus lent parce qu'on a plus de pixels à traiter, parce qu'on a une vue qui est beaucoup plus importante. Paradoxalement, c'est quand on va être plus en loupe, plus à grossir l'image, que le calcul se fera rapidement parce qu'il y aura moins de pixels à traiter. Voilà, ça y est. Alors, donc là, vous voyez, bon, on est quand même pas mal. Ça, c'est une image pour de l'écran qui sera exploitable sans aucun problème. Pour de l'impression, c'est autre chose. Pour une pleine page, non. Ça ne sera pas exploitable du tout. Ce sera pas assez net, bien sûr. Voilà. Alors, on va voir une dernière version, une dernière image. Alors voilà, ça c'est vraiment une photo floue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon appareil, pendant dans le feu de l'action, j'ai été l'appareil photo, l'autofocus a fait la netteté sur les cheveux de la personne qui maquillait la petite fille. Et voilà, là, donc mon sujet derrière est flou. Donc on va aussi voir ce que ça donne. On va essayer de travailler ça dans Sharpen, voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire sur une image avec un flou à ce point, un flou de ce degré-là. Ça y est, ça se lance. Ok, donc là on va prendre autofocus, pareil, Verriblerie. Et on va voir ce que ça donne.
Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, une amélioration? On va bien voir. Ça y est, la fin du calcul est faite. Le calcul est fait. Ok. Donc, ben, il n'y a pas de miracle, hein. On voit que ma photo reste floue de toute façon. Donc on peut voir que malgré tout, ça reste un logiciel qui va pas non plus faire de miracle. Quand on a quelque chose de flou, ça ne rendra pas une photo complètement floue, complètement nette, malheureusement. Donc je dirais, dans la suite des trois logiciels, dont je vous ai parlé en vidéo, dire que ce soit Topaz Denoise, Gigapixel, et puis là maintenant Sharpen AI. Sharpen est celui qui, je dirais, fait pas de miracle. Ne nous propose pas des choses qui vont vous mettre un peu sur le cul. Bien que, moi, ça fait Topaz Sharpen, ça fait déjà plus de 6 mois que je l'utilise fréquemment. Et sur des images un peu tendancieuses où autrefois je pouvais je les bénais, quoi, je les jetais. Maintenant, j'arrive parfois à récupérer des images que je peux fournir malgré tout sur de la netteté, mais c'est vraiment sur des petites choses. Et il faut vraiment tester parce que parfois, sur certains flous, on va se dire c'est ok, il va pouvoir me la récupérer, et puis c'est pas du tout. Et puis ben, sur d'autres, où on se dit bon, c'est pas la peine, mais je vais quand même essayer, on sait jamais. Et puis ben, il va nous faire quelque chose de relativement correct. Donc c'est un peu, c'est très mitigé comme résultat. Je dirais, je ne suis pas à 100% convaincu, mais en même temps, il me propose parfois des choses qui sont bluffantes. Mais ce n'est pas la majorité non plus, malheureusement. Donc je dirais, voilà, sur les trois logiciels, Topaz Sharpen est celui qui ne m'a pas séduit outre mesure. Donc voilà les amis, si vous voulez, en plus, bon, ben, avec le système de masque qui est relativement un peu casse-bonbon, quoi, parce que la ressource, le temps de calcul est très long et à chaque fois il recalcule, on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est pas très intuitif et je ne suis pas franchement convaincu du système de masquage, même si ça peut être bien utile de l'utiliser parce que je sais que par exemple l'intelligence artificielle va vous créer des artefacts, par exemple si vous faites de la photo au drone comme moi, sur certaines toitures de tuiles, ben on va avoir des artefacts qui vont faire que les tuiles vont ressembler à rien. Donc c'est là où après on pourrait gagner à masquer les toitures de tuiles. Mais bon, jusque-là, vu le système qui n'est pas franchement très, très simple et souple d'utilisation, ben ça se termine sur Photoshop avec la photo originale et puis on fait un masque pour mettre la netteté partout sauf sur les tuiles. Comme ça, on est ou très peu sur les tuiles. Parce que sinon, c'est vrai que ça nous fait des artefacts qui sont très moches et qui sont pas exploitables. Qui rend l'image, la netteté est meilleure, mais du fait des toitures bizarres, c'est pas exploitable. Donc il faut impérativement passer par Photoshop, encore une étape supplémentaire de Photoshop pour finaliser l'image. Voilà les amis, fin de la série sur Topaz. Eh bien, profitez-en à l'heure actuelle, on a 50% sur les formations du site commentphotographier.com, donc c'est les formations de terrain sur de la photographie de paysage, de la photographie de portrait. N'hésitez pas, avec le chiffre 50, 50, vous avez 50%. Et ensuite, sur la droite de votre écran, vous avez un lien qui vous emmène vers un petit cours gratuit tous les jours sur votre boîte mail, une astuce photo, des conseils, c'est quotidien, c'est rapide, c'est facile à lire, c'est des enseignements assez sympas sur la photo. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, validez votre email et vous recevrez quotidiennement une petite newsletter assez cool, d'après ce que me disent les gens qui la reçoivent. Et puis, ben, ça vous permettra de progresser d'une manière sympathique. Voilà les amis, n'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne. C'est vraiment important pour moi. Laissez-moi un like, moi je vous like super fort. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. Ciao.